Salut YouTube! Bien, salut tout le monde! Nous voici dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un livre vraiment intéressant. Le fils du pauvre, interprété par Mouloud Fellaini. C'est la nouvelle collection. Là, si vous ne connaissez pas Mouloud Fellaini, écrivez-le sur Google. Il est vraiment très célèbre en Algérie, c'est un Kabyle. Mouloud Fellaini, il est né en 8 mars 1913, ça c'est un résumé, à Tizi Hibel, l'un des villages de Bni Douala, à 20 km au sud de Tizi Ouzou. Je voudrais pas que cette vidéo soit longue. Hélas, le 15 mars 1962, au château royal d'El Biar, un commando de l'OAS les surprend, lui et 5 de ses camarades, en pleine réunion, et les crible de balles. Tout ça parce que... mon père m'a raconté que tout ça parce que c'est un Algérien. Et c'est sacré français. Je vous raconte pas la terrible bagarre qu'ils ont fait à l'Algérie. Voilà. Le fils du pauvre. Ça parle de l'enfance de Mouloud Fellaini quand il était petit. Voilà, c'est lui. Son enfance et sa vie. Sa vie quand il était petit, il nous exprime dans son livre, dans la pauvreté, sa pauvreté, la vie pauvre avant sa mort, bien sûr, pour sa jeunesse. Voilà comment le livre est. Moi, il y a 2 chapitres normalement. Il y a un sur la famille. Ah. Je sais pas pourquoi il m'échappe toujours celui-là. Voilà, le fils aîné. Je vous raconte d'abord le premier chapitre, il parle de sa maison où elle est. Le deuxième, je crois qu'il parle de comment elle est sa mère, comment et tout, le réservoir et tout. Troisième de son oncle et tout, si je me souviens bien. Voilà, la famille, ça c'est un proverbe. Nous travaillerons pour les autres jusqu'à notre vieillesse et quand notre heure viendra, nous mourrons sans murmure et nous dirons dans l'autre monde que nous avons souffert, que nous avons pleuré, que nous avons vécu de longues années d'émerture, le Dieu aura pitié de nous. À Tchekhov. Moi, je suis arrivée à ce chapitre. Voilà, mon marque-page, faites pas attention. 4e chapitre. Voilà, le fils du pauvre. D'après ce qu'on m'a dit, il est vraiment bien. Et c'est l'un des romans les plus connus chez Mouloud Fellaini. Si vous ne connaissez pas Les Kabyles, ou bien Tizi Ouzou, écrivez Tizi Ouzou sur Google. Et ça va vous. Venir en claquant des doigts. Comme ça. Rien que ça. Maintenant, les marque-pages, comme celle-là, elles sont vraiment fun. C'était vraiment facile à faire. Maintenant, livre. Livre maintenant, s'il te plaît. Livre. Le livre est parti faire le congé. Je l'ai remis. Maintenant, les marque-pages. Ils sont vraiment faciles à faire. Voilà.
D'abord, il fallait prendre une feuille, faire des carrés, des tout et tout, plusieurs fois. Puis prendre une autre feuille, dessiner ce qu'on veut, le colorier avec des feutres et le coller. Voilà, rien de plus simple. Nous avons YouTube, Facebook, I love you, un œil terrible. Un petit carnet vraiment mignon, surtout les yeux. Un petit Nutella. Ça donne envie de. Ça donne envie de manger. Pou. Pou. Qui connaît pas Pou? L'arc-en-ciel. Non. Le nuage licorne. Et piou-piou mania. Piou-piou. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Et voilà. Pastèque rigolote. Je vous dis tous à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour Mimi, il va très bien. Au revoir tout le monde. Abonnez-vous à notre chaîne. Et aussi, notre chaîne, elle parle pas que des animaux, bien sûr. Elle parle des livres, elle parle de connaissances, elle parle de jeux d'échecs, de fun et tout. Sport. Au revoir tout le monde. Abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas de liker et de mettre un pouce bleu. Au revoir.